monde, c'est John et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 17 du Savoir Hunter. Alors à l'heure où je vous parle, enfin non, à l'heure où vous voyez cette vidéo plutôt, le Savoir Hunter sera déjà ouvert. Bien sûr il y aura plus de construction que sur cette vidéo là. C'est juste je tourne, donc c'est je tourne, on est le 13 octobre. Donc je pense que ça fait un petit moment, on est l'épisode 17, voilà. Donc là vous avez vu ce que j'ai fait, voilà, je me suis tourné sans rien dire. L'hôtel, le premier hôtel pour les habitations, parce que je ne sais pas si je vous avais dit dans la dernière vidéo, mais le serveur sera plus un serveur RP. Cette fois, on va essayer de faire du RP. On va se lancer dans cette nouvelle aventure. On va se lancer dans cette nouvelle aventure en espérant que ça marche, en espérant qu'il y ait du monde qui vienne et tout. Alors oui, aussi, je crois que je l'avais dit ça, c'est ouvert aux versions craquées pour une fois. Moi qui n'aime pas beaucoup les versions craquées, je peux vous dire que ça a été dur de négocier avec moi pour les versions craquées. Mais après raisonnement, je me suis dit pourquoi pas faire entrer tout le monde. C'est pas parce qu'ils n'ont pas acheté Minecraft qu'ils n'ont pas le droit de venir voir mon serveur. Enfin le serveur, parce que c'est pas que mon serveur, c'est moi qui ai construit, c'est moi qui gère et tout. Mais nous avons derrière, il y a pas mal de monde qui, par exemple, il y a Stog qui est quand même pas mal actif. On a Nike C4 qui nous fait les plugins, on a franchement c'est toute une bande toute et sans tous les comment dire les engrenages ça ne marcherait pas, donc merci à vous les gars. Alors là on est en train de placer les fenêtres de l'appart, donc là vous voyez comment elles seront vos maisons, voilà. Alors bien sûr j'en ferai plus grosse et tout, ça dépendra du prix et tout. Alors dans ce savoir RP vous aurez des casinos pour gagner de l'argent, gagner des diamants et tout, voilà. Vous, ah, attendez, non, ça, vous avez aussi une banque, tout ce qui est banque, tout ce qui est appartement, échange avec villageois, avec de nombreux events cette fois, oh, pas mal. Et après, on verra par la suite comment ça évolue, si jamais ça marche, on pourra mettre plus de trucs, une loterie, on a pensé à une loterie. On pourra toujours évoluer, ça c'est pas... Attendez, je vais faire deux cette fois. On pourra toujours évoluer, c'est pas ça qui va nous barrer la route. On est là pour évoluer, c'est juste pour voir si ça marche. Et je pense que ça devrait vous intéresser parce que c'est vraiment, vraiment pas mal. Hein. Hop là. Après on va rentrer. Hop. Ouais, franchement, on se donne pas mal de temps, donc on sait pas quand est-ce qu'on va l'ouvrir. Enfin. Quand est-ce qu'il sera ouvert? Parce que normalement, quand j'ai mis l'épisode 16 en ligne, ça sera pendant les vacances d'octobre. Donc, ça ou un petit peu plus loin. Donc, ça veut dire qu'il se ouvre un petit peu plus loin que les vacances d'octobre. On verra tout ça. Alors, je vous parle normalement, il sera déjà ouvert. Donc, mais bon. Toujours est-il que si jamais il n'est pas ouvert, là, vous avez plus d'infos. Alors, on va terminer tout ça. Et après, on va faire un rapide tour de la map. Pour voir qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui a changé. Bon, je pense que vous avez tout vu, hein. J'ai pas fait grand chose. J'ai terminé. Enfin, si, j'ai. Non, j'ai pas fait grand chose. J'ai juste fait ce bâtiment, juste, hein. Juste un truc énorme. Qui prend beaucoup de temps à faire. Après, il faut mettre des plugins et tout. Là, j'ai pas mis. Ah, bah, j'ai mis pas mal de plugins pour l'instant. Alors, pour l'instant, le serveur, il a que 8 slots. Donc, on va attendre pour en prendre plus. Enfin, pas attendre pour en prendre plus. On va dire merci à GapServe déjà pour nous faire fournir ce serveur-là. On va leur demander si jamais on peut mettre plus de slots pour tout le monde. Plus de RAM et tout, on va voir avec Naki 94. D'ailleurs, coucou Naki, ça fait longtemps que je sais pas parler. Tu me manques. Attendez, ça, je vais faire ça. Attendez. Hop. En plus, aujourd'hui, je suis heureux. J'ai mis un coffre magnifique. Enfin, ça, c'est ma vie, mais voilà. On termine ça. Donc, vous voyez la vue. D'accord, j'ai dit la vue est pas mal, mais. Mais il pleut racine, enfin bassine, je sais même plus ce que j'ai dit, il pleut racine, j'ai dit, mais c'est à force de lire des livres de racine ça. Oui. Oh, fuck, you. Ah, ça je peux être sûr. Lui m'attendait, il croyait que c'était son habitation à lui, non. Ouais, ça va, la vue, non, je vais pas faire comme ça, la vue reste juste immense. On va voir de dehors ce que ça donne. On va sortir par là comme des gangsters. Des gangsters. Comme GTA 5. Je suis en gangster. Faut que je fasse des vides sur le côté parce que là sur le côté c'est un peu vide. Alors. Enfin. Comment ça rend? Ouais, ça fait bien. Bien hôtel avec la façade devant et les vides derrière.
Je suis en train de terminer tout ça. Hop, hop, hop. Vous avez entendu, il y a le rugby. Hein. Oui. Je suis foutu et je joue au rugby parce que j'aime bien Toulon. Parce que Toulon. Parce que j'habite vers Toulon, donc voilà. Au moins vous savez où j'habite. Alors, on termine tout ça. Hop. Là, hop là. Voilà. Je vais pas y arriver à en mettre un droit. Hein. Alors, oui, dans la description de la vidéo, bah, vous aurez le lien du l'IP du serveur si jamais il est en ligne. Si jamais on a réussi à faire ce qu'on voulait dans les temps qu'on voulait. Si jamais c'est pas encore le cas, vous aurez la date d'ouverture du serveur avec le trailer et tout. Tout ce qui va avec. Et je vous mettrai aussi le lien, bah, de nos partenaires et de Capserve, qui pour moi est un très bon hébergement de serveur et ça vaut le coup d'aller voir. C'est juste énorme. En plus, c'est à petit prix et c'est vraiment des machines énormes. J'ai eu le temps de discuter avec Greno, moi qui connaissais rien. Il a su m'expliquer et il a su me dire ce que c'était énorme. Enfin bref, les machines, franchement, ça tourne à... Je sais pas combien, mais ça tourne. Hein. Ouf. Il m'a dit qu'il allait encore en acheter plus grosse. Donc ça risque de faire mal. Hein. Ça risque de... Ouf. Péter sa race. Alors, ensuite, donc, continue. Il faudra que je me réhabitue à claim. Enfin, à, comment dire, à... Avec WorldGuard, parce que ça fait longtemps que j'ai plus utilisé les commandes plugin. Enfin, longtemps. Pour moi, oui, hein, mais pour vous, je sais pas. Hein. On fait ça comme ça. On fait les fenêtres, les volets des fenêtres. Hop, on va y arriver, hein, les amis. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Merde, oh, je vais pas y arriver. Hop, 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 hop. Pour l'instant, ça va. Alors, longtemps devant, je vais vous montrer ce que j'ai fait devant. J'ai longtemps recherché à essayer de faire un logo, genre une pioche en diamant ou quoi. Mais vu que ça prenait trop de place, je me suis rabattu sur un truc qui m'a l'air plus naturel et qui a l'air mieux. Je voulais faire un diamant aussi. Hein. Diamant version géante, mais faut que j'essaie mes talents pour faire des trucs comme ça, c'est juste énorme. En plus là avec l'arbre sur le côté, ça rend pas mal. Élément incrusté dans le décor. Ah, faudrait que je fasse un élément dans une grotte, je sais pas encore. Genre comme j'ai fait avec les villageois, je vais essayer de faire péter une durite, péter de la TNT et après voir ce que ça rend et on pourra continuer de, via ce truc là. Là, je sais pas combien on est de minutes d'épisode, mais je pense qu'à vrai ça, on va se laisser. Enfin, on va aller faire un tour et après, on va se laisser. Oui, bon, c'est classique et c'est beau. Voilà. En plus, ça avait la place, ça rend pas mal. Ouais, je sais pas si c'est un peu trop carré. Pourquoi pas faire ça sur les côtés? Pour faire genre. Ouais, pourquoi pas. On met ça sur les côtés. Déjà, ça rend moins carré. Ah oui, j'ai dit que je devais travailler sur les côtés. Essayer de faire des vitres. On va voir, on a le temps. Enfin, pour moi, j'ai encore pas trop le temps parce que 13 octobre, les vacances, c'est dans pas longtemps. Donc. Alors. Ce côté-ci. On va faire ça. Hop. Hop là. J'ai une musique dans la tête. Bon, tu vas y arriver. Je vais voir si ça rend bien. Oh non, je préfère, j'aime pas. Après, c'est chacun ses goûts, mais vous me dites dans les commentaires si vous aimez. Je vois si je peux revenir là-dessus. À l'heure où j'en suis. Hop. 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 Oh, c'est ça que j'ai oublié, c'est les
Gates. Sugar Gates. Non. Ça va pas le faire. Hop. Bien sûr, faut que je fasse ça. Ça aussi, vous voyez les comment dire, si j'y arrive, les conseils d'écho que j'utilise, qui ma foi rendent plutôt pas mal. Hein. C'est pour ça que je les utilise. Sinon, j'utiliserai pas ces conseils d'écho. On va faire comme ça. Ouais, je devrais faire comme ça, un truc. Hein. Yeah, bagasse. Bagasse. Par contre, là, pour faire les volets. Fait comme ça. Bagasse. Ouais, ça rend bien. Ouais, voilà. En plus de l'intérieur, ça rend aussi pas mal. Donc, vous voyez ce que j'ai fait à l'extérieur. En plus, c'est éclairé et tout. Donc, pourquoi pas. Là, il faut bien que je prenne au milieu. Il faut que je regarde pile poil de l'autre côté. Ce que ça. Si c'est bien pile poil de l'autre côté. Normalement, je suis au milieu. Donc, ouais. Donc, 1 et 2. 1. Voilà, c'est bon, j'ai pris les deux et là j'ai pris un. Voilà, c'est ça. Hop, 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 hop. Alors, je sais pas combien de temps il durera cet épisode. Je sais pas si vous avez vu à l'heure où je vous parle. Premier épisode que j'ai tourné sur la cité de la Colline de Matata. Bien sûr, je ne participe pas, mais j'ai eu l'IP presque avant tout le monde. Comment je pourrais vous dire ça? Environ, je sais pas moi, 2-3 minutes avant tout le monde. Ah, je ne vous dirai pas pourquoi, mais je peux vous le dire que je les ai eu 2 minutes avant tout le monde. Et ça, j'achète. Je m'emporte là. Et ça, j'achète. On va voir si c'est Pill Pull en face. Yep. C'est Pill Poison Face. Merde. Voilà. On fait ça. Ça. D'accord. Ça et ça nous fait un autre truc. Ah oui, j'ai oublié ça. N'empêche, l'environnement est plutôt pas mal, voire même spectaculaire. Spectaculaire. Avez-vous vu ces balconouilles qui viennent de l'Afrique du Sud importées d'Italie en face du Japon? Avez-vous vu les conouilles? Oui, j'ai vu ta putain de merde de conouilles. Hop. Et on fait rouge, jaune. Alléluia, mon frère. Ça apporte du relief. Alors, oui, j'avais pensé à faire un truc pour voir si ça marchait. Je vais le tester. Je vais le tester. Je parle comme les Québécois. Donc, je vais le tester en vidéo. Je vais le tester en vidéo. Pour voir si ça marche. Je ne me moque pas des Québécois. Oui, non. Laissez vos avis dans l'épisode. Dans les commentaires de l'épisode. Je vais l'enlever. Non, je vais le garder. Et je verrai jusqu'à ce que vous mettiez les commentaires. Donc, vous voyez que j'ai continué ce chemin-là. Et oui, bon, la maison, vous l'avez vu la dernière fois. D'ailleurs, ça a un peu changé la décoration. Vu que je suis passé dans une autre version. Je sais pas si vous l'avez dit. Les trucs ont un peu changé. Donc, je sais pas si je ferai un truc là ou si j'irai plus loin. Faire genre là. C'est énorme. Juste énormissime, genre un spliff ou quoi. Un spliff de là, mais les amis, mais imaginez, je saute de là. J'arrive, je suis comme ça. Et j'arrive, je fais.
Panza! Et j'ai oublié de sauter, donc c'est normal que j'atterris pas où je voulais. Donc là j'atterris sur l'arbre, on va réessayer. Non, moi j'atterris à côté de l'arbre. Ah mais c'est juste magnifique. En plus, un plongeoir, deuxième plongeoir, mais où va le monde? Allez, on réessaye. Waouh, et j'ai encore oublié de sauter. Waouh. Oh, d'accord. Donc premier, deuxième plongeur et je fais mettre un peu. Ouais, je vais rien. Coucou toi là-bas. Ça va? Donc là, la fontaine qui pourrait nous servir à quelque chose. Ouais. Donc là, nous avons les montagnes. Montagne, voilà. Qu'est-ce que nous avons pas? Oui, j'avais vu ça là. Est-ce qu'on peut faire un truc sur ça? Est-ce que ça peut nous donner des idées? Je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Mais avez-vous vu les belles grenouilles? Donc là, nous avons la forêt. Nous pourrons. Oh, je viens d'avoir une idée, les amis. Un volcan qui part de là, qui descend la montagne à coups de queue. Voilà. Donc, je sais pas. Pas encore un chemin qui pourrait partir par là pour aller vers la forêt. J'ai plein de possibilités qui s'ouvrent à moi. Vous comprenez, les amis? Donc, je vais voir ce que je pourrais faire. Voilà. Allez! Ciao tout le monde. Non, en fait, pas ciao. Enfin, si, ciao, vous avez vu là. Coucou, c'est... Allez, ciao. Ouais, c'est bon, j'ai trop pris la parole là.